Pas de nuages à l'horizon, ou très peu ici à Donetsk, où nous nous trouvons à l'est de l'Ukraine. Salut à tous, l'ambiance est douce aujourd'hui à la Donbass Arena. On va suivre ce match avec Pierre Ménès, vous le faire vivre. Au programme du jour, un match amical, international. Le Portugal contre l'Allemagne. Allez, un petit match amical avec un festival de buts, moi je signe tout de suite. Coup d'envoi donné par les Portugais. Ricardo Pereira. C'est une équipe qui se déplace avec la ferme intention d'exercer un pressing de tous les instants sur son adversaire. Oui, on a des joueurs qui sont du genre à prendre les choses en main et qui créent souvent le danger après avoir récupéré une passe mal assurée, par exemple. Ouais, c'est le but de la manœuvre. Cristiano Ronaldo, joueur précieux, bien sûr, dans cet effectif, dans cette équipe. On le retrouvera face à Thomas Müller. Oui, Cristiano Ronaldo est un joueur capable d'éliminer un ou deux adversaires à tout moment. C'est le genre de star capable de se faire lever tout un stade. Quant à Thomas Müller, c'est un joueur qui sait apporter le danger en une passe ou un geste. Dès qu'il touche la balle, il faut tout de suite le presser, sinon il a vite fait de distribuer quelques caviars à ses coéquipiers. Allez, c'est donné par-dessus. Kimmich. Thomas Müller. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ricardo Pereira. Bernardo Silva. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Sané. Kimmich. Serge Gnabry. Ouais, ça c'est très bien défendu. Ouais, il a trouvé son partenaire lancé. Allez, oui, il va y aller. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Timo Werner. Thomas Müller. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Cristiano Ronaldo. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Il est en train de remonter le terrain. Ricardo Pereira. Ok, Danilo Pereira. Bruno Fernandes. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Antonio Rüdiger. Ah, les attaquants allemands, ils sont en train de passer complètement au travers. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ouais, il protège bien sa balle. Ouais, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il va pouvoir centrer. Toni Kroos. Kimmich. Timo Werner. Ouais, elle gagne son duel. Cristiano Ronaldo. Oh, que c'est bien donné ça. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Ah, il est bien tiré le corner, là. Ah, l'ouverture du score. L'ouverture du score signé Cristiano Ronaldo.
Tenez, regardez le corner qui amène le but. Et à la conclusion, Cristiano Ronaldo qui marque de la tête. Son point fort, enfin un de ses points forts. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Bonne intervention, intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Et une minute de temps additionnel. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Pas de souci pour le gardien. Ouais, c'est la mi-temps dans ce match amical. Et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors. Hein, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Quel est votre son ? Début de la seconde période, le ballon dans les pieds des Allemands. Anthony Rüdiger. Joshua Kimmich. Ce sera donc un coup franc pour l'Allemagne. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Oh, il est passé. Il est dépossédé du ballon. Ricardo Pereira. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Le ballon lobé par-dessus pour essayer d'alerter Cristiano Ronaldo. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Bruno Fernandes. Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle ? Ah, c'est une perte de balle. Sané. Mats Hummels. Toni Kroos. Niklas Süle. Anthony Rüdiger. Toni Kroos. Timo Werner. La passe pour Thomas Müller. Thomas Müller, il peut y aller, il peut y aller. Ah, oh, c'est le but. Et les revoilà à égalité maintenant. Les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par-dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Allez, tout est à refaire, un but partout. Cristiano, Bruno Fernandes. Il redonne à Bruno Fernandes. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Kimmich avec Sané. La touche, très bonne intervention défensive. Il va y avoir un remplacement. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Anthony Rüdiger. Gnabry. Thomas Müller. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Oh oui, la bonne option. Et le but. Il est rentré quoi, il y a quelques minutes. Il s'est lancé le premier ballon, il marque. Bravo. Revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. Le buteur qui finit le travail en humiliant un petit peu le gardien au passage avec ce petit ballon déposé juste derrière lui. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Rafael Guerreiro. Une phase de construction en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon.
Serge Gnabry, Thomas Müller, Timo Werner maintenant. Ouais, il protège bien sa balle. Serge Gnabry. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Serge Gnabry. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Timo Werner. 5 minutes à jouer, hein, dans le temps réglementaire. Et le score qui ne bouge pas, alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Kimmich. Et Havertz. Le ballon qui change de possession. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ça peut devenir dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il veut garder son ballon, il le protège. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Timo Werner. Le gardien qui repousse. Encore une excès. Voilà, la fin de la rencontre. Et donc cette défaite à domicile qui est scellée. Ouais, ce genre de match, tu sais jamais si c'est encourageant ou pas de les avoir perdus. Avoir fait jeu égal dans tous les compartiments, c'est bien.